Salut les gars! Bienvenue encore sur Machinitive et aujourd'hui, on va lire un autre livre. Alors, ce livre, je l'aime trop parce qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre, comment lire. Et aujourd'hui, on va lire un livre qui s'appelle Le Château. Est-ce que tu connais c'est quoi un château? Tu connais pas? Bah, il y a des châteaux de sable, comme par exemple quand tu pars à la plage et tu mets du sable dans du sel, puis tu tapotes comme ça, puis il arrive. Même il y a des châteaux des princes, des princesses, des rois, tu connais, non? Ouais, là où des princes vivent, là il y a des jolies princesses, là il y a des beaux princes. Mais aujourd'hui, les châteaux qu'on revoit, regarde, c'est un château de sable. Ce livre est parmi les livres qui s'appellent « J'apprends à lire avec Samy et Julie ». Alors ici, on va parler à propos d'un garçon qui s'appelle Samy et d'une fille qui s'appelle Julie. Alors, on va commencer. Le château avec Emmanuel Massonneau. Maintenant, au bon goût, prenez vos seaux, vous faites de vos agneaux et remplissez le fossé d'eau. Pour commencer d'abord, on va regarder les personnages de l'histoire. On a papa, maman, Samy, le petit garçon, Julie, la petite fille, et plus Toby, leur chien. Commençons notre livre. Aujourd'hui, sur la plage, il fait très beau. Samy, je ne te répéterai pas, sors de l'eau, tu as les lèvres tout bleues, dit papa. Mets ton chapeau et viens ici, que tu te frottes le dos. Le soleil va te réchauffer. Je voudrais des gâteaux et du jus d'abricot. Tu peux m'en passer, dit Julie. J'ai faim moi aussi. Papa, on va faire un tour à pédalo. Non, construisons plutôt un château avec le seau, la pelle et le râteau. Au-dessus de murs, papa construit avec des magnifiques créneaux. Que c'est beau! Creusons en fosse autour du château. Tu sais comment on appelle ça autrefois? Oui, des douves. Bravo, Samy! Maintenant, prenez vos seaux et remplissez la fosse de l'eau. Oh là là! Il faut beaucoup de seaux pour remplir de douves de l'eau? Regarde papa, on dirait une piscine. Julie continue de décorer les châteaux avec des bigorneaux, des algues et une étoile de mer. Dans le ciel passe un bel oiseau. Il ne manque plus qu'un drapeau tout en haut et des petits bateaux flottant au fil de l'eau. Pour participer au chef-d'œuvre, maman prête son foulard bordeaux. Ça fera un drapeau rigolo. Et maintenant, prêt pour la photo? Mais voilà que Toby arrive en grand galop. Pas de traces. Plus de château. Adieu créneau, adieu drapeau. Ces chiens vraiment, quel bateau. C'est fini. Maintenant, on va lire avec Terry et expliquer l'histoire. Alors, on va d'abord regarder les personnages. Papa. Maman, Samy, Julie et Toby. Alors, aujourd'hui sur la plage, il fait très beau. Comme sur la plage quand il fait très beau, Moody est par exemple à la piscine ou Diekoga. Mais la plage, c'est comme à la mer. Comme par exemple, si tu pars à Tam Tam, tu vois, tu connais Tam Tam à Disney? Voilà, bah, Tam Tam, Hawasaneza, Wajendu Koga, tu vois? C'est joli, non? Alors aujourd'hui sur la plage, il fait très beau. Donc ça veut dire quand il fait beau, ça veut dire quoi? Quand il fait beau, ça veut dire que le temps est beau, qu'il y a le soleil, que la température est bonne pour aller à la piscine, pour nager. Samy, je ne te le répéterai pas. Sors de l'eau, tu as les lèvres toutes bleues, dit papa. Ça veut dire alors que quand je ne te le répéterai pas, ça veut dire qu'on a dit à Samy de sortir dans l'eau à plusieurs reprises. Ah, Samy sort dans l'eau, il ne veut pas. Mais quand tu restes dans l'eau pour longtemps, tu as les lèvres toutes bleues et tu trembles en plus. Vous avez vu ça? Il dit Koga, quand tes lèvres sont très très bleues. Moi, je sais que Samy, il y a Goumé Mamaz, il y a Goumé Mamaz, il y a Mounini.
Allez, j'ai la titilla quand ses lèvres sont désabées bleues. Mets ton chapeau et viens ici que je te frotte les dos. Le soleil va te réchauffer. Donc, son père t'a dit que c'est un peu plus de temps. Quand il vient ici, je te frotte le dos. Il a froid. Le soleil va te réchauffer. Donc, il est tout le monde. Il est à la fraîcheur parce que il y a des moments où tu as très froid, n'est-ce pas? Comme quand je pars à la piscine, j'ai froid. Toi, tu n'as pas froid. Il fait froid. Alors, il dit que sur le soleil, tu te bronzes. Quand tu as dit que tu as dit que donc, il dit que papa Samy allait comment dire. Je voudrais des gâteaux et du jus d'abricot. Vous savez, du jus d'abricot, c'est quoi? Alors, c'est du jus d'abricot. C'est un d'abricot, c'est un fruit alors. Je voudrais des gâteaux. Donc, Samy, tu as vu quand tu pars à la piscine, tu as faim. Comme il y a des piscines, j'ai aussi des plages koga. Quand on a une semi-dose, quand on a une on va faire un tour à pédalo. Et on dit ça. Donc un pédalo. Hano, Kuditabo, regarde ici. Voici un pédalo. Ça. Un pédalo, c'est ça. Comme vous le voyez, un pédalo. Alors, Samy a eu quoi de son père? Papa, on va faire un tour à pédalo. Donc, Naranidia, il connaissait comme un moto. Ou Diana Kumazali, c'est comme ça que je peux dire. Nio, picture avec tout. Non, papa, il était gars. Non! Construisons plutôt un château avec le seau, la pelle et le râteau. Construisons plutôt un château. Vous savez, un château, c'est quoi? Un château, la plus grande tour. Ah, Awami, Naomi Kaziwa, tiens, même maintenant, quand il y a l'histoire Zavana, là où les princesses, les princes, tiens, c'est Niamoua, Niamoua, le Panzer, réponse, vous avez vu, le grand château qu'il habitait, ça c'est un château. Alors, papa, c'est mon gengo, quand tu viens d'étudier Kubaka château, du coup, j'ai le seau Nindobo, la pelle, comment on peut appeler la pelle en Kenya, c'est quand même quelque chose là, que tu peux créer en un râteau. Un râteau. Je sais, c'est Viranga, tu l'as vu, Belika, on the screen. Mm-hmm. Au-dessus du mur, papa construit des hautes tours. Haute tour, vous savez une tour? Une tour, c'est quelque chose qui est longue. Comme par exemple ça, si ce n'était pas un arbre, comme si c'était par exemple un bâtiment, tu avais essayé d'avoir un building, ce serait une haute tour. Une tour, c'est quelque chose qui est longue. Donc, on a fait pour Samy à l'école, il y a des hautes tours de château avec des magnifiques créneaux. Créneaux, vous savez, c'est quoi? Non. Bon, on va voir si on a quoi créneau. Ça y est, ici, nanana. Ah oui, voilà, je vois des créneaux. Créneaux, c'est ça. Là, comme vous voyez, le seau que vous allez voir ici dans le dessin, le seau que le père de Samuel Koulecha de Fité il nous design. Le design, il habite les créneaux. Ok, c'est beau, c'est joli, non? C'est joli. Créons une fossée autour du château. Oh, vous savez, une fossée, c'est quoi? Une fossée, c'est comme un trou. Un trou. Alors, créons un petit trou, mais au l'entour du château. C'est pas comme a big hole, nagaringum ngobo melai. Na kubukato ya un passage autour du château, autour de quelque chose ni ouzengul kitchen. Comme par exemple, dessine une ligne autour de moi. Alors je te fais comme ça. Alors, créons une fossée, un fossé, c'est comme autour du château. Tu sais comment on appelait ça autrefois? Autrefois, yo zengo, anon papa sama vaza, ozikunobi taga fossé, tira, comme en 1950, waitaga de douve. Bravo Samy. Non, ça va être gars. Oui, je sais comment on appelait ça. Ce sont des douves. Mais c'est pourquoi ça m'a tellement dit là. Waouh. Bravo Samy. Maintenant, prenez vos seaux, moufatine de vos agneaux, et remplissez le fossé d'eau. Moufatine de vos agneaux, c'est mouzouz et fossé à masse. Moufatine. Oh là là, il faut beaucoup de seaux pour remplir ce douvet d'eau. Donc, comme par exemple, si vous allez à la plage une fois, vous aussi, il faut faire ça. Prenez le seau. Comment on fait un château de sable avec le seau, Karine? Mais
on prend du sable et puis on met en sable. Ouais, on prend du sable, faut t'indoger sur le mot sable, ouais. Ou tu tournes et puis tu tap, et comme ça, t'as un château. Sinon, on me dit, comme par exemple, tam tam, tiens, ça veut dire une piscine, jeter du sable, ou là, vous pouvez construire un château. Vous avez déjà des aides sur les fans, et vous avez quoi, il faut aussi, Ningi, il y a Samy. Regarde, papa, c'est comme. Regarde, papa, on dirait une piscine. Ouais. Nous, il nous faut aussi, on crée une piscine gâteau. Avec une autre, on comme une piscine. Julie continue de décorer des châteaux avec des bigorneaux. C'est vrai, non, Julie, elle décore un château. Voilà des bigorneaux, vous voyez. Ce sont des trucs que tu trouves à la plage. Des algues, tu vois, des algues, c'est ça. Et une étoile de mer. Donc là, on a des bigorneaux, des algues et une étoile de mer. Ça, c'est quoi? Oh, comment on appelle ça déjà? Un coquillage. Un coquillage aussi. Ouais, wow, c'est trop joli en fait. Dans le ciel passe un bel oiseau. Oh, il est trop joli l'oiseau. Donc, il ne manque plus qu'un drapeau tout en haut. Donc, bah oui, du coup, dans un château, bah, c'est un drapeau. Donc, comment on appelle ça déjà encore? Un flag. Donc, alors, ça manque ça. Et des petits bateaux flottant au fil d'eau. Non, mais il y a un bateau de tout être coutumé. Il y a un tiny gamer. Regardez comment c'est joli. C'est joli, non? Regarde, là, on peut voir des algues qu'on a construites. Voilà nos créneaux que papa de Samy a fait. On voit une étoile de mer. Et aussi, on voit des coquillages. Pour participer au chef-d'œuvre, maman prend son foulard Bordeaux. Maman Samy, parce que c'est le père de Samy, Samy et Julie qui ont fait ça. Maman Samy, moi j'ai fait quelque chose, il va tiger foulard et ça fera un drapeau rigolo. Il dit que la canne qu'un drapeau est vraiment, vraiment rigolo, comme vous voyez. Et maintenant, prêt pour la photo, vous voyez que faites une photo. T'as fait une photo, mais voilà Toby arrivé en grand galop. Donc Toby a géré Lucatiane et tata, pas de traces, plus de château. Toby bien salué que je dis adieu les créneaux. Donc bye bye une va causer, bye bye le drapeau. C'est chiant vraiment, quel pâteau. Ah c'est chiant, quel pâteau. Et c'est fini. Pour le livre, avec le que tu as Isa, tu dis on va poser à Terry quelques questions. Quand il n'aime pas de suivre, que dit l'angot, comme venir nous visiter l'histoire. Alors, pourquoi Samy doit-il sortir de l'eau? Parce que si il reste dans l'eau, ses lèvres seront toutes bleues. Ouais, de toute façon, c'est vrai, parce que ses lèvres même étaient déjà bleues. Ouais, c'est vrai. Deuxième réponse. Que propose papa à Samy? Qu'est-ce que papa a dit à Samy? De construire un château de Samy. Ouais, donc le papa de Samy a proposé à Abigail et Samy qu'on va construire un château, c'est Wubaka, un château. Peux-tu expliquer quels sont les touffés? C'est quoi un touffé? Les trucs que le papa de Samy a mis en haut. Non, ça ce sont des créneaux. Mais des touffés, c'est plutôt comme un fossé. C'est un petit trou ouais, que tu construis autour du château, n'est-ce pas? Voilà. Et sais-tu que veut dire un chef-d'œuvre? C'est genre ajouter des algues. Non, un chef-d'œuvre, ouais, t'as essayé. Avec le chef-d'œuvre, quand on dit j'ai fait un chef-d'œuvre, Nico a causé Ichinichidi vraiment exceptionnel. Il y a un chef-d'œuvre d'Ichino, comme go, waouh! Ça, c'est un chef-d'œuvre. Il y a un chef-d'œuvre qui est exceptionnel. Moi, quand je suis dans la galerie, je suis dans la selling of paintings. Je me dis comme, oh, c'est un joli chef-d'œuvre. Donc, c'est une œuvre d'art. Like, it's amazing. Un chef-d'œuvre, c'est une œuvre d'art. Donc, quand tu fais quelque chose dans tes chef-d'œuvre, c'est un travail exceptionnel. Et moi, tu l'utilises vraiment comme on a tout fait. Chef d'œuvre, une œuvre. Donc, quand on a causé un coup, chef, chef skills, n'est-ce pas? C'est ça un chef d'œuvre. Et voilà, c'est tout. Et tu veux donc que fais-tu pour te protéger du coup de soleil? Qu'est-ce que tu fais pour te. Chapeau. Ouais, tu portes un chapeau. Sais-tu nager? Est-ce que tu peux mettre la tête sous l'eau? Oui.
Non, est-ce que vous savez nager, Moziko? Gaïsé, moi, si vous en dessous de l'eau, vous nagez comme ça. Oh, comme un petit poisson, vous pouvez faire ça? Oui. Nadia, tu peux faire ça? Ah ouais, comme tu fais, c'est bien. Merci les gars d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à continuer de t'abonner. Tu as les tisans, quoi. Moi, tu as aimé les livres? Oui. Moi, si j'ai aimé les livres, donnez quoi là à la fois prochaine. YouTube sera un candidat à Boca Chacha. N'oubliez pas de lâcher un méga giga pouce bleu, de vous abonner sur la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche de notification. Au revoir à la fois prochaine avec un nouveau livre à lire avec Terry et cette fois-ci peut-être même avec Trixie. Mais je pense que maman elle est un peu malade, alors c'est pour cela qu'on l'a fait avec Terry. Allez Terry, dis au revoir. Au revoir.